Bonjour chers amis bassistes de partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux positions importantes que vous pouvez utiliser au moment où vous aurez à travailler vos gammes. La première, nous allons partir sur un principe assez simple, c'est de pouvoir jouer trois notes par corde. Prenons un exemple sur un ionien qui est le premier degré de la gamme majeure. En sol. Trois notes par corde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'elle me permet d'utiliser plusieurs notes lors de mon improvisation tout en restant sur un même registre. Exemple. Deuxième position, c'est de pouvoir jouer quatre notes par corde. Quatre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le refais tout doucement. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'elle me permet de changer de registre lors de mon improvisation tout en gardant la logique du chant. Par exemple. Je vous conseillerais de les utiliser dans toutes vos gammes. Et si je peux me permettre de prendre le deuxième degré de cette gamme majeure, qui est le dorien, toujours en sol, ça me donnerait ceci. Je le refais tout doucement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Deuxième position. 1, 2, 3.
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout doucement. Merci et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à vous connecter sur le www.michelbass.com. À très bientôt.